Ah, tu reviendras jeudi, on sera Hey! encore là. Bonjour à toutes et à tous! C'est de nouveau la suite de Project Zomboid. J'étais en train d'essayer de retrouver où étaient les gens parce que. Bah parce que Bah tout le monde parce s'en fout que. de ma gueule, hein, carrément. Voilà, Non, c'est pas qu'on s'en fout, c'est que tu t'es perdu comme une bite, alors bon. Merde, j'étais trop lourd, c'est je vrai me suis que. Je me suis fait, arrêté deux secondes de faire le plein et ça, il s'est barré comme un fumier surtout. Bah, c'est Slan quoi! Bah, bon, en même temps, il y a. Un road trip avec Slan, jamais sorti de route qui mène à un endroit, point barre, hein. Bon, par contre, j'arrive pas à nettoyer sur le sang. La grande de... route, là. J'arrive pas à nettoyer le sang. Non. Ah, c'est il est du le sang sang humain, contaminé. Tu peux pas le et... nettoyer. Il est un peu trop fort le sang contaminé. Et je suis sorti de la ville, c'est pas possible. Hein. Bon, alors, la télé là. Cette route, là. Mais tu sais que t'étais pas dans une ville, t'en es conscient de ça. Bah non, sinon je le dirais pas. D'accord, t'étais pas dans une ville, t'es dans un espèce de petit endroit minuscule où il y avait juste bah, une station service et puis un petit bar. Parce que là je roule, hein, mais bon. Comment tu fais quand t'as une chaîne qui répond plus? Tu changes? Non, non, faut attendre, les émissions arrivent petit à petit. Ah oui. Après, tu peux changer pour trouver une autre émission en attendant, quoi. Ouais, tu peux zapper si t'as envie d'avoir une émission tout de suite, mais les émissions elles sont pas en continu en fait. Ouais, d'où là, l'intérêt y a plus d'avoir rien. Toutes les télés qui tournent en même temps. Ah, c'est bon, notre monde n'est pas sûr. C'est bon, on a les infos, ça sert à oh, rien, mais au moins. Bah, tu... Non, 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 notre monde n'est pas sûr. Regarde, tu dois monter en recherche ou un truc comme ça, peut-être. Bah, comment tu le vois, ça, en temps réel? Ah bah, tu vas regarder sur, ta... sur ton personnage. Ouais, mais faut connaître où t'en étais avant, quoi. Mais non, t'as des, petites... t'as des petites flèches, t'as des petits trucs qui te disent que t'as gagné. Damnez, ah ouais qu'on range les draps. Eh bah, j'en sais rien, c'est pas défini. Bah, ce sera avec les sacs. Avec non, les non, sacs. Bah, t'as raison. Attends, ouais, avec les sacs, c'est bien. Très très il bon. Faut très, savoir très bon. Où t'étais avant. C'est pas du tout là. Tu connais un peu l'agriculture, Katox? Normalement, oui, mais. Si tu regardes l'étagère que j'ai fait là, où y a, on voit des espèces de bidons là, de lessive, mais... est-ce que tu peux me confirmer que tout ce qu'il y a là-dedans sert ou non, hein, d'ailleurs? Oh non, putain, y'a Slan qui arrive, il met tout par terre. Oh putain. Je démarre, le mec passe en table, quoi. C'est, pas ah, c'est une un enfoiré, putain. Déjà de le voir, j'étais pas content, mais alors là. Bon, je suis dans une bref. Banlieue résidentielle. Tu pourras me dire, ouais, c'est du coup Katox. Ah, bah c'est bien si t'es dans la banlieue résidentielle de quelle ville alors, du coup? Ah, bah j'en sais rien, moi. Alors, je te le mets où ton vieux téléviseur? Ici, là? Sur la table basse? Non, on peut pas, il a des pieds. À côté? Ouais, fais comme tu veux. Voilà. Ouais, ça me l'a. Ah, regarde. Les brindilles, les branches d'arbres aussi? Regarde comme il est beau, ça il est tout moderne. Pour le bouillage, donc c'est avec. Okay. Tiens, la laque, tu l'as rangée où? La laque, normalement, elle est en bas dans la caisse. J'ai déplacé le. Tout est là-dedans maintenant. Tous les trucs en vrac sont là-dedans. Enfin, ah, plus ou moins. Je règle sur la chaîne turbo. Hein. C'est bon. Je suis à côté du spifo, je me suis retrouvé. Non, mais il y a un spifo dans chaque ville. Oui, non, mais celui-là c'est le bon, je reconnais, il a trois flèches. D'accord. Eh, si vous voulez savoir ce que c'est que les petits pandarous que j'ai mis sur mes vignettes là, qui sont super kawaii et tout, c'est ça, c'est les spifo en fait. Voilà. Pour les salut. Viewers qui se demandaient d'où ça sortait tous ces petits pandarous. Salut Slan. Le signe, il est arrivé? Bah, bien sûr, j'ai trouvé le spifo. Oh, une nouvelle bagnole! Bah, oui. Bonjour. Non, non, il va te la démonter, t'es con! Bah, elle est un peu pétée, c'est pas grave, je me suis pris 2-3 trucs en venant, mais. Au moins, il avait encore des feux qui marchaient. Par contre, il me faudrait des fringues, on a des fringues? En haut, tu regardes dans la poubelle. C'est vrai en plus. Ouais, dans la poubelle devant l'ascenseur, devant l'escalier. On n'a pas encore d'ascenseur. Maintenant, il n'y a rien dans la poubelle. Ah, si, il y a un pullover et une jaquette, parfait. Ah, c'est tout ce qu'il y a pour le moment, mais au fur et à mesure, on. Non, mais c'est très bien, j'avais dû déchirer des trucs donc. Si on met des trucs frais dans le congélateur, ça les congèle? Oui. Alors frais, ça ne signifie oui ça les congèle, mais ça ne signifie pas froid ou congelé ou un truc comme ça. Hein. Ça veut bien dire que c'est ah des oui. légumes qui ont été pris il y a pas longtemps. Non, mais je pense que je vais congeler. On peut congeler des morceaux de pizza. Katox, est-ce que tu as commencé la chasse? Il nous faudrait des lapins, des écureuils. C'est en des cours. Des trucs à manger. Ok, bon, je vais y mettre. Il faut que tu ailles chercher des pièges et des pièges, y en a plein dans la boutique d'équipement. Oh, sinon je peux en faire. Il me faut ça. Ouais. Planche, clou. Oh, on a de la baïonnaise, putain ce luxe. Parfait, hop. C'est le truc le plus important au monde. Je peux désinfecter, je peux pas désinfecter. Oh non, il est encore blessé.
Non, catastrophe. Mais je regarde un peu comment ça fonctionne. Ouais, parce que si tu comptes sur Slan, t'as bien vu quand tu poses des questions. Alors, je suis blessé, comment on fait? Ah bah, tu crèves. Voilà, ouais, merci. Ouais, non, voilà. Je fais plus confiance à Slan, c'est fini. Pourquoi voilà. Des trucs pareils, c'est vraiment. En plus, c'est vraiment, mais tellement pas sympa. Bah, c'est bah tellement ouais, vrai, mais surtout. Écoute, hein, c'est tellement pas sympa, mais. Tu feras attention si tu prends ta bagnole bleue qui a plus de roues, parce que je suis en train d'enlever les freins. Bah, elle a plus de roues, donc. Il se trouve que je comptais pas la prendre en fait. Oh, mais ce mec! Tu rentres 5 minutes, tu ressors, tu prends ta bagnole. Ah non, celle-là, tu la prends pas, il vient d'enlever les freins. Mais pourquoi? Tu sais, moi, il m'avait dit, c'est la meilleure voiture du jeu, faut la prendre et tout. Et, et bah, pour la peine, je pose des chiffons sales infectés sur ton. Oh putain. T'arrives pas à nettoyer les taches de sang là, Katox alors? Non. C'est fou ça. Ou alors, il en a juste marre de le faire quoi. Non, j'y arrive pas. Mais c'est ça, ouais. Pourquoi je prends ça? Savon, torchon et. Slan, il sait tout donc il va bien y arriver. J'ai jamais nettoyé rien de ma vie, moi. Mais c'est quoi cette légende? Tu nous feras plaisir de. Oh là là, mais on a une épave, putain, mais la gueule de l'épave, oh là là, mais putain. T'aurais pu faire ça plus loin, je sais pas, moi. Non, mais je vais la remonter après, mais d'abord, faut que je répare chaque pièce. Il m'a demandé de lui remettre sa bagnole à neuf. J'enlève toutes les pièces et je vais lui remonter une bagnole d'enfer. Alors après, il faudra attendre que j'ai le niveau max, bien sûr. Sinon, on peut rien faire, hein. Ils sont où les couteaux? J'ai un couteau cassé à ranger, je sais pas où du coup. Alors, ça a changé dans l'angle de droite, voilà. Ouais, j'ai trouvé. Est-ce que ça a avancé notre palissade? La quoi? La palissade. Vous avez pas été coupé du bois? Bah moi, si tu veux, j'ai fait du rangement jusqu'à maintenant parce que c'était un peu le bordel. T'as commencé ton rangement au début de l'épisode 1. Ouais, et ben je l'ai pas fini. Bah là, ça y est, c'est fini. Alors, d'accord, je coupe n'importe quel arbre? Bah ouais. Quand il est coupé, il y avait que des bûches. Ouais, moi je faisais que des bûches, hein. Oui, bah c'est ça. C'est pas avec ça qu'on fait les palissades? T'as pas dit que c'était avec des troncs? Et niveau 2 en mécanique, qui c'est le boss? La tête. Oui, pff, t'as raison, exactement. J'aurais pas dit mieux, Katox. Voilà. Faut que j'aille lire. J'aurais eu une chaîne YouTube, j'aurais pris la vidéo, et juste cet endroit-là, j'aurais amplifié les dB pour qu'on l'entende bien fort, tu vois. Ouais, j'aime. Mais bon. Alors tu me poses une question, et alors à ce moment-là? Alors, une comète dans le ciel. Sur ma vue, il y a une compression du son qui fait que ça sera pas trop criard sur mon enregistrement, à moi en tout cas. Ouais. N'allez pas vous blesser les oreilles sur l'enregistrement du Signe Noir. D'ailleurs, ne regardez pas sa chaîne, ne regardez pas ses vidéos, je vous l'interdis. En même temps, t'as les mecs qui sont obligés de bidouiller, puis t'as ceux qui font les bons réglages dès le début, quoi. Voilà. Allez, on va vous laisser, hein, les gars. Nous, on va aller. À demain matin. Hein. Demain matin. On va. Ce qu'on va faire, c'est on va vous laisser là. Et puis, on va peut-être revenir et continuer à parler aux survivants. Ouais, pourquoi je suis dépressif, nerveux et agité? Faut que je fume. Parce que t'es demande un fumier, c'est tout. Ah, mais non, mais pourquoi t'es méchant en plus, comme ça avec moi? Ouais, c'est vrai, le plus gentil de tous. Mais je t'ai tué, ça a rien de méchant! Bah oui, c'est de bonne guerre! C'est à peu près ce que j'avais compris. C'est un geste d'amour. Eh, Katox, vu qu'on essaie. Pendant qu'ils font rien, on essaie d'aller faire un truc utile, on va chercher des lits. Là, j'essaye de. Attends, parce que l'idée, elle est super bonne. Mais tu vas en faire quoi de tes lits quand tu vas les avoir? Parce que tu vas les mettre où? Bah, à l'étage. À l'étage. Alors, s'il y a quelqu'un qui touche à ma salle de billard, ça va pas se passer. Bah, on vire les. Ouais, je sais pas. Regarde, il y a une réglementation pareille pour les pièges où je peux les aligner. On peut même pas jouer dans la salle de billard. En face. Regarde, là, en face de l'escalier, je vais ouvrir et ça sera au-dessus de l'arrière de la réserve. Ouais, bon. Tu m'ennuies, je me casse. Voilà. Parce que je sais très bien que tu vas pas le faire. Mais si, je vais le faire, mais il me faudra plein de planches et puis plein de trucs. Et moi, je suis allé couper des bûches, t'en faut combien? Des bûches? Mais il en faut un tous les mètres, une toutes les mètres. Les logs. Oh non, il y a un des coups de feu là. Slan, les pièges, je les mets où? Les pièges, bah tu les mets loin dans la forêt. Ok, bon. À une bonne cinquantaine de mètres. Ok, bah je vais la mettre dans la forêt derrière le gunshop. Et de préférence, pas en centre-ville quoi. Je penserais douter. Alors, elles sont où les bûches là? Parce que moi je peux pas faire de mur de bois si j'ai pas de bûches, mais. Il y a quelques bûches. Elle les faut d'abord. Le problème c'est que clic droit, construire, mur et pilier en bois.
Et comme tu peux le voir, ah, il faut menuiserie 2. Ah, moi, c'est con, hein. Moi j'ai. Moi, non, j'ai... mur de tronc, il faut rien du tout. Moi j'ai voilà. Menuiserie toi donc. Il faut 4 bûches et 4 tissus déchirés. Il n'y a pas besoin d'avoir menuiserie. Ah ouais, donc en fait il faudrait peut-être avant qu'on aille récupérer, qu'on aille genre vider un magasin de vêtements quoi. Y a... Sinon il y a plein de draps que j'ai ramenés. Hein. De toute façon, les draps, vous les déchirez pas pour faire des tissus déchirés, faut déchirer les trucs des zombies. Ah ouais. Mais tu t'aurais dit ça genre avant que j'en enterre 250, ce serait cool. Ouais, ça aurait été cool. Mais il y en a partout des zombies, faites oui, pas ce là. Ouais, mais où est-ce qu'on va bien pouvoir trouver des vêtements déchirés? C'est pas ça le problème. Mais bon, par chez moi, on appelle ça un coup de pute. Un coup de pute. Bah mais par non, chez mais... moi aussi, figure-toi. Slan a une notion assez différente du coup de pute, mais il a l'habitude de jouer solo, hein. D'habitude, le coup de pute, moi, c'est avec le couteau, quoi. T'arrives derrière ton pote et clac, clac, clac. Ouais, c'est vrai, le signe, t'en penses quoi? Ouais, j'en pense que tu vois, t'arrives comme ça derrière, et puis ah hop. Heureusement, moi, je suis pas infirmier, j'active pas le PVP quand je fais ça. Quelqu'un, serviette? Je l'avais pas activé, t'as été touché uniquement parce que t'étais en train de te zombifier. Non, c'est bon, je suis pas mouillé, je suis n'importe quoi. T'avais le crâne au-dessus de la tête, ne fous pas de ma gueule. Ah oui, c'est vrai qu'on va on va mourir là. Est-ce que j'ai pris femme de plein air, moi? C'est le mec quand tu fais un jeu, tu sais, un jeu de plein air, il réinvente les règles à son avantage. Ah bah ça, ça t'étonne, toi? C'est bien pour ça que je ferais jamais un jeu de société avec lui. Un risque, tu vois. Non mais là, tu vois, vu que je suis l'Allemagne, en fait, ce qui se passe. Alors moi, j'ai jamais perdu à risque parce que je démarre avec tous les pions. ouais, c'est bien, ouais. Alors, on va faire un truc, je te laisse tous les soldats, moi je prends tous les canons. Oui, bah oui. Ça vaut 5 un canon, c'est ça? Ouais, je crois, ouais. Cavalier comme... 3 et... Comme je suis la Grande-Bretagne, avec l'influence de l'industrialisation, j'ai droit à 50 canons supplémentaires. Et, oui. Et voilà. C'est dans les règles officielles. Regarde sur le site. Bon, là, il est down, malheureusement, mais regarde sur le site. Bon. Dès que t'as l'occasion, regarde, ouais. Oui, mais vous m'avez perturbé, je sais plus ce que je fais. Voilà. Bon. Ah, parce que t'as déjà su ce que tu faisais dans ce jeu. Oui, clairement. Ouais. Est-ce que je peux... Je trouve que tu parles beaucoup, mais que tu nous arnaques bien beaucoup aussi. Je suis en vie depuis 5 jours. Bah, c'est normal, tu putes les potes pour survivre. Un moment, ouais. Y'a que Damned qui peut se vanter d'avoir survécu autant. Mais en même temps, lui, il a survécu 5 jours enfermé dans une maison. Alors, hey, on peut tester, est-ce que 4... si je mets une poêle au micro-ondes, il explose? J'ai vécu 4 jours, 15 heures, je suis quand même mal dire. Non, mais... Faudrait déjà que je sache où on le trouve. Alors, il me faut donc mécanique pour avancer. C'est où qu'on sait depuis combien de temps on est vivant? Dans info, dans tous ces trucs, talent, santé, etc. Ouais. Ah bon? Ouais. Alors, info, j'ai pas l'info, j'ai le poids. En slan, tu le veux où ton mur? Mon mur, bah tout autour du parking, derrière la pancarte Twiggy's déjà pour commencer. Alors, okay. Menuiserie. Par là où vous rentrez avec les bagnoles. Putain, ça cuit pas vite le micro-ondes, hein. Il faut quoi, t'as dit c'est dans menuiserie? Ouais, menuiserie, t'as dit? Non, en fait, il faut que t'aies les outils sur toi et que tu fasses clic droit, construire. C'est quels outils? Sur le sol. Sur le sol. Ah oui, d'accord. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut déjà délimiter. Alors, ça aurait été peut-être bien qu'on délimite avant quand même. Parce que moi, je veux bien, mais où? De où on... Eh ben, moi, je propose déjà que la première muraille, vous la fassiez entre le parking et la pancarte Twiggy's. Ensuite... Ah oui. Ouais. Et ensuite, je vous propose que vous passiez derrière les tables de camping. Ouais, donc ça. Ouais, mais attends. Ah oui, donc on fait en longueur, tu veux dire dans le sens du panneau Twiggy's. Oui. Ok, non mais qu'on en soit fait, bien d'accord. On va entourer les deux bâtiments là. D'accord. Et il faut quoi comme outil? Bah rien. Ouais, je crois que ça se fait. Enfin, il me le propose pas en tout cas. Hein. Ça se fait à la dure. Pourquoi mécanique? Ah mais il faut 4 ou 3 cordes de drap. Putain, j'ai encore lu. Ça fait 2 fois de suite que je lis le mauvais bouquin. Bah ça j'en sais rien. Par contre, je sais que j'ai pas assez de bûches sur moi. Ah mais putain, mais ça. Alors tu peux les poser par terre. Tu peux les poser par terre là où tu veux construire ton mur, hein. Ouais, mais alors putain, à transporter, on n'est pas couché quand même. Eh bah, il faut avoir des cordes, ça sera beaucoup plus léger, mais attention à pas construire en même temps que vous transportez. C'est ce que tu disais, ouais, d'accord, ok. Ah, donc un qui les place et l'autre qui construit, quoi. Ouais. Ouais, non, mais ça y est, je comprends l'idée.
Je vais déjà en faire une comme ça. Bah, dans voir, l'idée, mais... non, vous déplacez toutes vos bûches, vous allez les poser en long là, et puis une fois que vous avez déplacé toutes vos bûches, vous rangez les cordes dans un truc et vous commencez à construire. Mais c'est celui qui veut monter en menuiserie qui doit construire. Mais je crois que vous voulez tous monter en menuiserie. Ce serait bien qu'on les tousse un peu, parce que c'est un truc que tu vises quand même beaucoup. Ouais, exactement. Exactement d'accord, très vrai, beaucoup. De la mort qui tue. Vous avez lu le livre, enfin je parle à Katox, parce que pour le coup l'autre débile, là c'est pas la peine. Bah étant donné que je suis niveau 3, oui. T'es déjà niveau 3 en menuiserie. Waouh. Eh, je suis pas là pour enfiler des perles. Mais c'est clair. Bah c'est sûr, hein, quand tu perds pas du temps à tuer les gens... Ah, j'ai pas perdu beaucoup de temps. Je tiens quand même à rappeler, à toute fin utile, que j'étais quand même le premier mort de cette série. Hein ? Oui, mais enfin, oui. T'étais pas mort par accident, on va dire. Quoi. C'est un accident. Bah si, un peu. Est-ce que quelqu'un a faim à tout hasard ? J'ai des côtelettes de mouton sautées avec des nouilles, là. Bah moi, j'ai très faim. Mais... J'arrive. En moi, priorité, d'abord. Priorité à Dame Ned. Pourquoi ? Ah ! Voilà ! À ceux qui bossent dehors sous la pluie ! Par exemple. Eh, hein. Tu mets un parapluie dans ta main. Non, je m'en fous, j'ai homme de plein air. On n'a pas de parapluie. Non, et puis j'ai homme de plein air, je m'en fous. Si. Non. Mais du coup, j'arrive toujours pas à construire ton putain de mur. Ah, bah, c'est bien. Tu me donnes en direct, au moins. Je suis très bon. Mais qu'est-ce qu'il faut pour construire ton mur à la con? Oh, que c'est bien ça. C'est marqué. Clic droit, construire. Et là, il va te dire. Merci beaucoup. Mais de rien. Oh, que c'est bon. On ça, oh là là, oh que je vais me régaler. Mais il faut avoir le marteau. Il n'y aura pas de reposer la poêle après. Ah, s'il si faut des outils, il va te le dire, mais je crois qu'il faut quasiment pas d'outils pour faire le mur. Oh, il y a du tofu, des steaks, des. Parce que j'y arrive pas, moi. Pourquoi t'y arrives pas? Je sais pas, pourtant j'ai des cordes. J'ai des cordes en folie. Ah, mais attends, il faut pas que t'aies des cordes sur toi, hein. Surtout pas. Faut que je les. Oui, les cordes de drap. D'accord. Ouais, mais quand tu fais clic droit sur le sol, construire. Alors moi je peux le faire, mais la plupart des endroits où je veux le faire c'est rouge. Alors ça je comprends pas pourquoi. Courgette, tofu. Attends, il y a deux bûches au sol. De la mayonnaise dedans, c'est parfait ça. C'est la plupart ou c'était les endroits? En fait dès que je sors du bitume dans l'herbe c'est rouge. On a quoi là-dedans? Il y a pas grand-chose. Ah ouais, mur de tronc. Ah ouais, parce qu'il faut 4 bûches. Ouais, ah, mais moi elles sont là les bûches, mais j'arrive pas. Attends, j'arrive. J'ai rangé la poêle hein, du coup. Parfait, tu es bien urbain. Par contre, je suis passé de très fin à fin, donc ça m'a pas autant marché que la première fois. Ah bah ouais, quelqu'un a mis un mur là, c'est parfait. J'en avais mangé la moitié déjà. Ouais, c'est mais bon. Si tu veux, tu peux prendre une salade de fruits en dessert. Parce qu'il faut 4 bûches, pas 2. Il faut 4 bûches. 4 bûches et 4 cordes de drap. Mais c'est pas, je vais aller voir ça. Mais en fait, il y avait 2 bûches au sol plus 2 bûches sur moi, ça marchait, ça me mettait bien. Mais quand je voulais le construire, moi oui, mais voilà, tu l'as mis là. Moi, je voulais le mettre plus dans l'herbe, je pouvais pas. Tu pouvais pas parce que tu n'avais pas assez d'espace sur toi pour pouvoir porter les 4 bûches. Non, je crois que c'est le mur tu guises ici qui compte comme. Ah ouais, voilà, c'est ça, c'est moi, c'est le mur qui doit bugger, ouais, qui doit poser. Okay. Est-ce qu'on je pense que c'est le mur tu guises qui compte par. On peut pas passer par-dessus, donc ouais, c'est compte comme un mur. Ouais, ouais c'est ça. Bah vache, voilà. Vraiment qu'on sort des palissades comme ça prend des siècles, non? Bah c'est très très long. Projet Xomboïde. Ça prend des siècles, mais bien entendu, je tiens à rassurer tout le monde, dans quelques jours, nous n'aurons plus d'eau ni d'électricité. Ce qui est encore mieux. Ça va, ça me rassure. Bah moi, je me sens que j'avais trouvé un générateur, t'avais dit que c'était pas grave. Hein, donc... Non, il n'y a pas besoin de générateur aujourd'hui. Bon, on va essayer de transporter avec des cordes, alors c'est parti. Alors dans l'idéal, t'as 4 cordes et tu peux... C'est le meilleur, c'est d'avoir 4 cordes. Bon, je retourne en chercher une alors. Ah, mais dès que je sors, ah non, je suis en panique quoi. Une corde ne sert à rien. Je crois qu'il fallait pas prendre de cordes. Alors, si. Il faut pas construire à avoir des cordes en même temps. Voilà, c'est ça la particule. C'est une subtilité. Sinon, tu vas construire avec tes cordes et après tu pleures. Mais du coup, pourquoi prendre une corde? Pour transporter 4 bûches d'un coup, c'est hyper lourd. Ouais, non, c'est hyper lourd, hein. C'est 12 ou 15 la bûche. Tu transportes tes bûches. Avec la corde, ensuite t'enlèves la corde. Voilà. Après 9, tu montes. 9 une bûche. En fait, quand tu fais un pack de 4 bûches, ça te pèse autant qu'une seule bûche. Ok, ouais, ouais, non, mais je vois le concept. J'ai construit 2 murs. Wouhou. Pour moi, j'arrête de toucher mon bot. Toi aussi, t'essaies de te reposer le signe? Ouais, ouais, mais ça y est, je suis quasiment fini de me reposer là. Ça y est, je me suis Moi, il est long, hein. Moi, ouais, attends, moi, il était...
C'est qu'une chaise, c'est pas ouf, quoi. Pourquoi on n'a pas le premier secours? Donc, voilà pourquoi je voulais un lit. Ouais, on repose ça me paraît pas déconnant. Qu'est-ce que t'as avec la trousse Qu'est-ce que tu veux avec une trousse de premier secours, toi? Non, je voudrais le livre, les premiers secours pour les nuls, mais on l'a pas. Ah bah non. Ah non, t'as dit que les premiers secours, c'était pourri. Exactement. Bah, c'est-à-dire que je me blesse jamais, en fait, en vrai. C'est pour vous soigner, vous, mais bon, vous qui voyez. Bah, on voit rien du tout, tu nous as dit que c'était pourri, on s'est pas encombré avec, c'est tout. Tu es désagréable. Bah, c'est-à-dire que le premier jour, dans la première minute, oui, maintenant, il faudrait peut-être qu'on aille faire une razzia librairie. Et après, bah, c'est pas urgent. Allons faire une razzia librairie. Qu'est-ce que je fais? Je m'occupe de monter, de quoi faire des murs en fer pour renforcer nos trucs, ou je... Est-ce que je peux prendre le Twiggies? Oui, prendre le Twiggies. Est-ce qu'on peut nettoyer, fabriquer une corde? Comment on lave? Il faut que je déséquipe. Il y a World Make qui demande... Parce que je suis en altotable tant que je me repose sur la taverne. Par contre, j'ai une question sur Project Zomboid, Damned. Comment tu peux voir les titres des livres sachant que tu ne sais pas lire? Et ça, c'est une vraie bonne question. C'est clair. Imagine le truc, tu ne sais pas lire tout ce qui... T'as pas qu'à des graines de quelque chose. Et puis surtout, il y a des images sur les trucs. Il a appris à les reconnaître. Ça lui sert à rien, mais on sait pas pourquoi il a fait ça. Donc voilà, donc je te réponds en direct. Enfin, t'as la réponse en direct. On a aucune idée. Voilà. Alors le panneau Twiggy a bougé. Hein? Ah bon? Il a bougé. C'est incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu l'as démonté? Bah oui. Y a que ça à foutre, quoi. Bah ça faisait un mur gratuit, pourquoi? Ça faisait un mur de rien du tout. Il aurait défoncé les zombies. Hein. Ah, il casse, il tape sur les murs. Ouais. C'est quoi la voiture? Ah tiens, alors, en parlant... Ouais, déjà, une voiture allumée, ça sert à rien. Pour info, les murs que vous êtes... Qui sa voiture allumée? C'est Slan. Bah, à ton avis. Les murs que vous êtes en train de mettre, je tiens à dire quand même que les zombies, en 5 à 10 minutes, ils les détruisent. Hein. Donc ça sert à rien. Mais si, t'as 5 à 10 minutes pour défendre ta base, pour sortir, pour te protéger, pour trouver une solution. Pour fuir, quoi. Pour sortir un fusil à pompe. Pour te cacher dans les toilettes de l'armurerie. Pour pleurer sur ta vie. Ok, bon allez, moi je vais aller faire un peu de mécanique, parce qu'il faut vraiment que je sois capable de réparer les bagnoles là. Surtout la bleue là, elle est pas encore en parfait état. Lier 4 bûches, c'est bon, c'est en cours. Ah bah il faut les cordes, je sais même pas où elles sont. Bah j'en ai pris, moi. Ah d'accord. Alors j'avais amené plein de plaques en métal d'ailleurs, Slan. Hein. Alors moi je peux faire des murs en métal et surtout, les bagnoles faudra les sortir avant, hein, parce que ça existe pas les portes pour bagnoles. Tiens, en parlant de trucs comme ça, qu'est-ce que tu as fait du drapeau américain? J'ai pas pu le prendre, j'ai pas réussi à le prendre. Ah, tu me déçois beaucoup. Bah je sais pas, je pensais qu'avec le Piabi je pouvais. Alors on peut tout prendre, mais j'ai oublié de faire... prendre en fait, tout simplement, c'était l'objet prendre comme pour les détritus, je pense, qu'il fallait faire. Ah oui. Bah, tu veux aller chercher, il est à la mairie, c'est juste à côté. Ouais, non, mais je verrai ça plus tard, mais ouais. Donc après, il faut faire délier les bûches, on est d'accord qu'en faisant délier les bûches, on récupère la corde, hein. Bon, tu récupères les 4 cordes, ouais. Enfin, les 4 cordes d'ailleurs, oui, parce que c'est 4. Et ça, on peut le faire. Comment ça marche du coup? Montre-moi, Damned. Bah, faut que t'aies 4 cordes déjà. Attends, oula. Moi je parlais de construire plutôt. Attends, oh, ça va mieux. J'avais 4 bûches sur moi, mon mec était à. En fait, tu te mets là où il y a les 4 bûches par exemple, hein. Là où je suis, là, donc, ou là, ouais, peu importe. Ouais, okay. Tu fais clic droit sur n'importe où, construire, mur de tronc. Alors moi j'ai prendre, creuser avec les mains. Ah non, faut que tu cliques peut-être plus. T'as pas construire? J'ai pas construire, non. Peut-être t'as des cordes de drap dans son inventaire. Ah oui, non, il faut des draps dans l'inventaire. Attends, ah oui, il faut des cordes de drap. Ah bon? Non, moi j'ai des tissus déchirés, ça marche. Ah mais parce que t'utilises les cordes, t'as utilisé les cordes de ton... Tiens. Attends, je vais reprendre la moitié. Non, pour faire clic droit construire sur le sol, vous avez besoin de rien. Non, mais par contre, pour le faire, oui. Moi, ça fait rien quand je clique droit. Ah, non, mais je dis ça, mais j'ai tous les outils sur moi, si. Maintenant, tu dois pouvoir, là. Maintenant. Ah, mais il faut peut-être des outils, ouais, j'ai rien comme outil. Non, il faut pas d'outils. Non, faut pas d'outils. Construire, normalement, mur de tronc, il te faut 4 bûches. Viens peut-être plus vers les bûches, là, maintenant, que t'as le tissu sur toi. Et réessaye. Ah oui, là, j'ai construire, ouais, effectivement. Mur de tronc, d'accord. Et après, avec R, tu fais une rotation. Normalement.
Ou tu maintiens la... ta souris enfoncée, tu peux tirer un petit peu. Ah, c'est marrant, je pouvais le faire avec R et là il veut plus. Ouais, et moi il est en rouge le mur là. Alors peut-être parce qu'il y a des bûches qui sont déjà au sol, ça doit gêner, tiens. Ouais, c'est vraiment dommage que j'ai abîmé la suspension, là, elle était à 100%. De l'autre côté. Non, de l'autre côté c'est rouge aussi. Par contre, si je le mets derrière, c'est pas rouge, donc c'est pas un problème de compétence. Ouais, j'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne, moi. Enfin, c'est un peu bancal, je trouve. Ouais, y'a un truc qui doit nous échapper, là. Je peux pas le construire à côté du mur existant, en fait. Ni d'un côté, ni de l'autre. Ouais, bah ouais, ouais. Bah, c'est... Moi, c'est pareil. Moi, je suis en train de faire pléthore de cordes de drap. Et toi, t'arrives à construire les murs, Katox ? Même si je les mets plus loin, je peux pas. Attends, j'arrive. Ah, ou c'est peut-être parce que je suis trop loin. Ah, il faut que tu fasses ça devant toi. Non, pourtant si je me rapproche, ça change rien. Construire mur. 4 bûches, 4 tissus déchirés. Ah, peut-être que c'est la même chose que Damnet, c'est-à-dire que t'as pas assez d'espace sur toi pour porter les 4 bûches. Ouais, en fait, ça doit être parce que les 4 bûches sont trop loin. Parce que je peux faire des murs autour des 4 bûches, mais pas. Il faut que les 4 bûches soient à côté. Fais un test en ayant les 4 bûches sur toi. Ouais, j'ai pas envie de mourir. Bah peut-être, mais c'est que de toute façon c'est ce qu'il fait le jeu. Il va te mettre les 4 bûches sur toi. Bah si tu bouges pas, y'a pas de problème. Ouais, le gros problème c'est de bouger, ouais. Ouais, faut que je bouge jusqu'au mur, quoi. Ouais, là ça marche, effectivement. J'ai mis plein de cordes de drap dans le coffre de la voiture brune. Voilà, parce que c'est la plus proche et que... Ok, donc comme ça fonctionne, d'accord. Pourquoi vous prenez pas une caisse, il y en a dans la bagnole blanche des caisses. Parce que pour l'instant je les dépose, que je suis surchargé. Bah voyons. Ouais, je suis surchargé. Moi aussi je suis surchargé. Comment on les lave les chiffons sales hein? Bah avec de l'eau. Et il faut que tu aies une bouteille d'eau sur toi ou au robinet. À propos, on a commencé à faire des trucs pour accueillir l'eau. Non. Non, il y a des bouilloires pour ça, mais je vois sais pas comment ça marche. Je vois pas les ça dans mon truc artisanal. Les marmites, les seaux, et puis surtout, moi je peux construire avec des bâches, je peux construire des réservoirs pour récupérer l'eau. Ouais, moi j'ai pas ça. C'est dans quoi? C'est dans construire, c'est toujours clic droit construire. Ah, il y a que 3 bûches ici. Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais, c'est con qu'on puisse pas par contre nettoyer dans l'évier directement, quoi. Ça aurait été plus simple. Bah si, mais bientôt il y aura plus d'évier et ils marcheront, ils serviront plus à rien les éviers. Ouais, mais pour le moment on pourrait, mais on peut pas. Si, il faut que t'aies une bouteille d'eau sur toi, je crois. Ah, s'il faut avoir une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau et être à côté de l'évier. Parce que là pour le moment je suis obligé de les faire un par un, c'est un petit peu chiant quoi. Ouais, c'est un peu chiant à laver. Ouais, bah non, je peux pas. Et si tu mets plein de bouteilles d'eau sur toi? Bah ouais, c'est ce que je voudrais bien faire, mais. Enfin, quoique déjà avec les bouteilles d'eau. On peut en faire pas mal. Hein. Et pour info, les vaporisateurs contiennent beaucoup d'eau. Je vous avais dit, si vous trouviez des vaporisateurs, de les garder. Mmh, ils contiennent plus que les bouteilles d'eau. En fait, les vaporisateurs, je crois qu'ils contiennent un truc genre 5 litres. C'est des trucs pour vaporiser dans les jardins, en fait. Ah oui. Non, mais on a un arrosoir aussi, ça doit être pas mal. Mais je crois pas que ça marche, mais... Ah. T'en prie. Mmh. Voilà. Là, je peux laver déjà beaucoup de chiffons. Ça marche mieux, hein? Avec des bouteilles d'eau, c'est pas mal, ouais. Bah, disons que t'en fais une dizaine avec une bouteille d'eau, ouais, c'est pas mal quand même. Bah voilà. Il faut, faut bien les remplir avant, en fait, bon, c'est ça le truc. Non, peut-être pas une dizaine, mais c'est déjà pas mal quand même. À chaque fois que j'ai 35% de chance de faire des dégâts sur la bagnole, j'arrête pas de la casser. Alors, pour faire une pâte à pain, il faut quoi? De l'eau. Pour des collecteurs d'eau de pluie, il faut menuiserie 3 sur 4. Et des sacs poubelles, pas des bâches. Ah, il faut des sacs poubelles, hein? Ouais. On en a un. C'est excellent. C'est normal, c'est la trouver. 4. Faut qu'on aille au motel. Non, mais normalement, on en a déjà quelques-uns. Hein, dans une poubelle. Moi, je vais aller remettre tout ce que j'ai, je vais aller démonter des trucs pour repayer la menuiserie. Pas de soucis, moi je monte la mécanique parce que comme ça on pourra faire des belles bagnoles bien comme il faut, pas abîmer et tout. Alors pour l'instant, je démonte la mécanique. Moi j'entends les glou-glou de Damned là. Ah ouais, là je me lâche, hein. J'ai fait du clic à... Mon dieu, mais il buguait le truc.
Regarde, je remplis en boucle. Ah, ça y est, c'est arrêté. Dame Ned, après avoir passé 6 épisodes à tout ranger, il nettoie. Il se lance dans le nettoyage. Alors, surtout, allez voir la vue de Dame Ned. Je galère à les remplir, les bouteilles d'eau. Hein. Ah, bah oui, ça doit être dur. Non, tu dis zombies. Oh, hein, ça va, toi. Hein. Des trucs comme ça, quoi. Ouais, ouais. Et l'autre, Dame Ned, là. Oh putain, ouais, t'arrêtes de faire ton malin, sinon je te fais une salade de tofu. Hein. Et où, Dame Ned? Ah, tiens, Dame Ned, j'ai ça pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Qui a quoi du, pour moi? Du savon. Bah, il y en a du savon, il y en a plein dans les trucs, dans le meuble de toilette. Hein. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, les ouais, cacales. Merci, ouais. Tu pourras me nettoyer mes vêtements pour voir si ça marche? Mettre un petit peu de jambon. Tu pourrais te donner un coup de pied au cul pour voir si ça marche? Ça marche pas. Non. Tu m'excuseras, mais j'ai eu un peu peur la dernière fois contre des zombies. Tu veux bien laver ici? Ouais, ouais. Attends, j'en occupe. Voilà, j'ai un endroit pour les mettre par contre. C'est vraiment dur quand on est mauvais en mécanique et qu'on veut absolument démonter une bagnole en entier. Bah déjà plains-toi pas parce que a priori il n'y a pas que la mécanique pour démonter une voiture en entier normalement. Ouais, il y a la batte de baseball aussi. Allez, on va manger une petite salade de fruits. Non, une salade de légumes et jambon. Voilà. Moi je vais continuer mon régime. Qu'est-ce que je vais en faire des tissus déchirés? Je vais les mettre dans le carton en bas où il y a les... Oh merde, je suis en train d'attraper froid. C'est bah, con hein. La serviette elle est où? Je crois qu'on en a pas. Si on en a... Serviette de bain, il y en avait 1000 dans les hôtels. Dans les hôtels, ouais, mais on en a dans pas. L'hôtel. Bah, le, moi je te confirme qu'on en a pas. Hein. On a des mouchoirs si tu veux. Crois donc le mec qui ronge. Ah bah oui, tu peux croire le mec qui ronge, je viens de vérifier, on en a pas. Mince, je suis humide. Petite coquine. Oh non. Ah bah non, mais non. Non, mais sérieux. Ah bah écoute, hein, t'as voulu jouer un personnage féminin. Qui pense à ça? Ah oui, pardon, c'est vrai. Les moins de 18. Ouais, mais c'est pas facile de faire une série, ouais, hein. Bah, oh, moins de 18, désolé, mais il y en a à 16 ans, ils ont l'esprit plus tordu que moi. Hein. Y a ouais, des cupcakes. Vrai. T'as raison, ça veut plus rien dire de nos jours. Exactement. Tu veux que je te fasse un petit plat? Bah non, je mange des chips. Je mange des chips, hein. Tiens, bon appétit. Je n'utilise que des trucs qui n'ont pas été ouverts. T'as plutôt raison, hein. Je vais fumer une petite cigarette. Mais y'a quoi pour remonter le moral là? Parce que je suis complètement dépressif. Ah ouais, bonheur et tout, c'est triste, hein. Bah si tu bouffais mes salades de fruits plutôt que des chips, tu serais heureux. Ah, y'a des magazines, tiens. Pourquoi je peux pas couper le poulet là? T'es coupé la grenouille. T'as un couteau dans la main? Moi, oui. Et c'est ce qu'il faut pour découper le poulet. Oui, je sais, mais genre, je peux découper le jambon, je peux découper le lapin, mais je peux pas découper le poulet, je sais pas pourquoi. Non, mais avant qu'on arrive à faire un mur, sans déconner... Ça prend un peu de temps. Des projets zomboïdes. C'est pour ça que les cordes sont vraiment utiles. Bah, elles sont obligatoires, même, tu veux dire, ouais. Ah, au début du jeu, je vous avais dit, vous voyez, des cordes, c'est l'objet le plus utile du début. Hein. La vache. Non pas parce qu'il est plus utile, mais parce que c'est le seul dont on a besoin en quantité, en fait. Si on peut en avoir 8, c'est aussi bien, quoi. Tu m'étonnes. Bon, moi je vais déposer mon pare-brise ici. Hop, donc là on dépose tout le bordel là. Hop, hop, hop. Et en fait, cuisiner c'est ennuyeux pour mon personnage. C'est un peu triste quoi. Non, c'est parce que t'es à l'intérieur. Tu t'ennuies quand tu restes à l'intérieur. Ah. Mais il est agoraphobe donc il aime pas sortir. Bah ouais, c'est un peu triste. Ouais, c'est un peu con ça par contre. Bah en fait si, il faut que j'aille cuisiner dehors sur le barbecue quoi. Bah voilà. Genre je vais prendre ce steak avec une poêle. Et bien entendu t'as pris homme d'extérieur. Je crois que je l'ai ouais. D'accord. Moi je suis en train sinon Slan va construire un petit barbecue couvert. Bah non parce que s'il est couvert il va s'ennuyer. On est couvert mais ouais, quelques poteaux quoi. C'est temps de dire. Je confirme. C'est le mec qui veut juste voir les nuages passer. Mer, tout va bien. On va prendre un petit peu de poivre. On avait une pelle. Comment on répare une pelle cassée? Est-ce qu'on avait ce qu'il faut? Est-ce qu'on a de la moutarde?
Ah, c'est les cassettes, tu peux quand même l'utiliser dans le contextuel. Hein. Ah ouais? C'est juste plus une arme, quoi. Ouais, c'est juste plus une arme. Ouais, oh, d'accord. Très bien. Allez, level 4 en menuiserie, ça c'est fait. Oh bah dis donc, y en a qui ont de la chance. Hein. La chance, je passe des plombes à tout. Pas des plombes à tout défaire, quoi. Moi j'ai toujours pas pris mon deuxième point, enfin mon troisième point de mécanique, alors que j'ai quasiment complètement désossé la bagnole bleue et que je vais passer à la blanche d'à côté. Bon, je vais peut-être réussir à faire un collecteur de pluie assez vite. Putain, ça serait utile, mais la nutrition quand on ajoute des condiments, quoi. Quand t'ajoutes des condiments, c'est pas la nutrition. Ah oui, non, c'est parce qu'il y en a pas beaucoup. Ah, il me faut une salade antidépressive. Bah chef. Oui, mais je t'ai dit que t'en avais des salades antidépressives, mais tu veux pas. Ouais, mais je sais pas c'est lesquelles. Ah, et ben écoute, c'est celles qui sont pas dépressives. Je sais pas vous, mais moi la bagnole qui tourne, ça commence à me saouler, donc je suis allé l'éteindre. Slan, t'es là. Attends, bouge pas. Est-ce qu'on peut démonter le lampadaire? Non, on peut pas démonter le lampadaire. On ne peut pas tout démonter dans ce jeu. Non, on peut pas Blanche, clou, sac poubelle. Merci. Comment je fais? Faut que tu cliques sur sceller. Ouais, j'en ai que 3. Sceller votre offre. Hop. Merci. Voilà. Merci. Bah ouais, je vais te dire ça tout de suite. Mélancolique. Et. Ah, je suis passé à triste. C'est pire, non? Mélancolique, je pense que c'est moins pire que triste quand même. J'espère. Ouais, j'en veux bien. Ah, mais qu'est-ce que c'est là? Qui est-ce qui a laissé traîner du whisky au-dessus de la porte? Au-dessus de la porte? Au-dessus, ah non, il est par terre. Ah, bouteille vide. Ah, bouteille vide, je vais pouvoir faire des bombes. Attention, attention aux bombes. Ouais. Alors, si vous voulez plus que je fasse de la mécanique, moi je fais des bombes. Hein. Fais de la mécanique. En fait, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on trouve. On est combien? On est 4, 4 x 4, il faudrait qu'on ait 16 cordes et qu'on s'y mette tous pour réussir à faire un mur avant la fin de cette série. Oui. Ou alors, on prend toutes les bagnoles et on va remplir les bagnoles de bois à Muldrog. Non, mais il faut quand même des cordes. Bah, c'est mieux d'avoir des cordes parce que tu ramènes une bûche par une bûche. Ouais. Donc, ouais. Ce serait bien. Mais non, mais c'est long de faire la palissade, c'est super long. Bah, oui, ouais, bah justement, mais à 4, on irait plus vite. Mais à 4, tout le monde a des trucs à faire. Mais bien évidemment, mais globalement, après il y en a qui peuvent s'échapper de temps en temps, mais bon. Non, on est pas 4 à faire de la cuisine, quoi. Non, moi faut que j'apprenne à. Regarde, je peux même pas réparer le moteur. Non, mais le mur on le finira jamais, hein, faut pas se leurrer. Hein. On fera des murs de voiture sinon. Mais ouais, voilà, la limite. Et puis on va le faire. Ça, je peux faire. Ah, bah ça, j'en doute pas, ouais. Mais si, on va le faire le mur, c'est pas dur. Faut pas t'inquiéter, faut pas te stresser. Oui, bien sûr. Quand je vois la vitesse à laquelle il a avancé en un épisode. Mais t'as passé 6 épisodes à ranger en même temps. C'est vrai. Tu peux passer 6 épisodes à faire le mur. Et puis le mur, il a pas avancé tant que ça dans l'épisode parce que d'abord, vous avez pas beaucoup de cordes. Ça serait bien d'aller trouver d'autres cordes. Ouais. Bon bah je vous prépare des steaks à la viande, hein, avec des œufs. Ah c'est bien. Des steaks aux légumes, pardon. Ah ouais, tu veux dire steak à la viande. Une bonne nourriture d'Amérique. Voilà, un collecteur d'eau de pluie, c'est fait. Slan, la prochaine fois, petit enfant, tes comics, t'iras les ranger avec les livres, et pas avec les planches, hein. Non. C'est pas moi. Ouais, c'est ça, ouais. Moi je serais pas une petite razzia dans une librairie un séjour, cela dit. Ah bah il y en a une juste à côté là. On y va après si tu veux. Ah, j'ai réussi à démonter le pot d'échappement. Comment je suis content. Où sont on a une voiture qui peut de rouler pour aller à la librairie, c'est ça la question. La bleue elle est bien. T'as les pièces juste à côté. Dame Ned, les sacs poubelles. Les sacs poubelles, je crois qu'ils sont dans les poubelles. Ah youpi. Viens, on va voir. Attends, parce que je suis pas certain non plus de moi, hein. C'est clair. Non, ça c'est le collecteur d'eau de pluie. Ok, d'accord, merci. Il y a des poubelles là, est-ce qu'il y en aurait pas dedans? Il est inconnu. Non, ou alors je les avais lâchés en pleine forêt quelque part. Ouais, l'idée de merde. Hein. C'est ouais. Super. Et sa poubelle, il y en a dans le motel. Ouais, mais j'avais fait un tour au motel et en même temps aller chercher des essuies. Mais le motel, il est pas loin de la librairie, on peut y aller en chemin. Ouais, on va faire une petite expédition, hein, il va être temps. En fait, si j'avais su que c'était utile, je les aurais pas planqués derrière des arbres, quoi. Est-ce qu'il y a une caisse avec Shatterton, super glue, petite plaque en métal et tout ça?
Parce que moi, c'est vraiment indispensable que tout ça se soit réuni. Bah oui, alors une seconde. Je vous laisse des plats au chaud dans le barbecue s'il y a besoin. Ah, c'est bah j'arrive parce que j'ai faim. Et on va arrêter ramène. L'épisode là. Prends celui du haut, Slan, pour toi. Le premier. Ah, c'est celui avec les baies toxiques. Le c'est ça. C'est celui avec genre la nutrition qui est quasiment pleine. D'accord, merci. Tous les trucs de construction, enfin les outils des trucs dans ce genre-là, c'est dans la caisse qui est à droite à côté des WC. Voilà. Allez, si sur ce, j'arrête l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller jeter un œil à la vue de Slan, même si c'est un fumier. Vous verrez comment on répare des voitures. Merci. Même si c'est un connard. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. À plus. À plus.